Look left, look right, and I come with a hook right. Hook right, hook right. This what the angles look like. Way up, stood high, taking the view when it look right. And oh, it's the good life, whipping the whip in the sauce when I cook like. Look left, look right, yeah, yeah. Come with a hook right. Hook right, hook right, hook right. Make all the man them look twice. I'm way up, stood high, but I've been in the field like Shug Knight, and they know this the time. This what a legacy look like. This what a in the view when it look right. And oh, it's the good life, whipping the whip in the soup when I cook like. Look left, look right, yeah, yeah. Come with a hook right. Hook right, hook right, hook right. Make all the man them look twice. I'm way up, stood high, but I've been in the field like Shug Knight, and they know this the time. This what a legacy look like.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Désolé pour ce petit retard. Mais, voilà, j'ai la gorge enrouée. Au dernier moment, j'ai modifié un peu ce que je voulais faire. J'avais pas trop d'idées, entre guillemets, pour ce live de cet après-midi. J'étais parti pour faire un comment ça s'appelle comme d'habitude, du face-à-face contre vous. Et puis, je me suis dit, voilà, je parlais de marché et tout, avec parce qu'on me pose beaucoup la question. Et je me suis dit, bah, on va faire une après-midi spéciale marché. Voilà, je vais vous montrer comment font... Alors, moi, je le fais pas spécialement parce que ça prend du temps. Je suis pas tout le temps présent sur le jeu, même si on pourrait croire le contraire. Mais je vais vous expliquer comment font les joueurs pour avoir des millions et des millions et des millions. On va le faire ensemble, on va passer 2 heures à le faire. Oui, 2 heures à vendre sur le marché et tout ça, mais vous allez comprendre pourquoi c'est si long. Mais une fois que vous aurez compris le principe, bah, vous allez voir que c'est en fait relativement très rapide. Mais ça prend un peu de temps. Et j'ai même pas le temps de... Donc voilà, déjà je voulais vous remercier, encore une fois, je sais, je l'ai déjà fait sur la vidéo de ce matin, mais 10 000 abonnés sur YouTube, c'est... voilà, je sais même pas quoi dire. On dit bonjour bien sûr à TikTok, on est en live sur TikTok en même temps et sur YouTube. Coucou les amis de TikTok, j'espère que ça va pas trop... trop bugué. Si ça bug, bah je suis désolé, je serai obligé de couper TikTok, mais normalement ça devrait aller, j'ai fait les réglages pour. Donc je voulais vraiment vous remercier d'être présent là toutes les semaines, tous les samedis, tous les dimanches, les mercredis, à chaque fois que je fais une vidéo. Je sais pas quoi dire d'autre à part merci. Donc comme je l'ai dit dans mon guide de ce matin sur la mise à jour du défi Toti, j'offrirai un pastard encore la semaine prochaine. On en sera à 6 ce mois-ci. Je pense que ma banque va m'appeler et elle va me... Non, on va peut-être pas exagérer, mais disons que voilà, ça me fait extrêmement plaisir de rendre un petit peu beaucoup, même comparé à ce que je gagne avec... Mais bon, de rendre ce qui vous appartient aussi. Voilà, doucement sur le rosé pour fêter les 10K. T'inquiète pas, je bois pas d'alcool. Ou très rarement de grandes occasions. Donc voilà, on va dire bonjour à CLT qui est tout seul à avoir dit bonjour sur le live TikTok. Bienvenue à toi. On va dire bonjour par contre à tous ceux qui sont sur YouTube et vous êtes déjà 84. Extraordinaire. À Kylian, Gertrude, Cam, Elis, Lyon, Myriam, Césip, Abda. Qui on a d'autres? Kylian, Yanis, Sheik. Gros Nico qui est là. Et oui, je vais dire les secrets des ventes de Gros Nico. Alors lui, je sais pas comment il fait, mais moi j'y arrive pas. Mais on va le faire ensemble et puis on va essayer de vendre nos joueurs, on verra bien. Salut chérie, Younes, Anis, Ramzan, Loris, Marie, Enoch, ZX, Gabar, Zaybox, Cam, Léon, Enox, You. Pace, qui on a d'autres? Nazer, Monsieur Wea, merci de passer. Enoch, Deck Pro, Toto qui nous a rejoint sur le chat. sur le chat TikTok. Fan aussi, Fata, Marie, Arben, Vodka. Vodka qui s'est fait plaisir, qui a gagné un pastard. AK7, Younes, qui on a, Samba, NRD, qui encore, Shérif, Cristiano Ronaldo, Sam, Enox, Zozo, Toto de France, fan de Kakashi qui est là aussi, vous êtes Dembélé, vous êtes bonjour à tous, Ninja Sardin, Naruto, Emma, voilà, bienvenue à tous. Voilà, petit live pour ça. Bon, on va parler vite fait du PSG puisqu'il y en a qui sont là. Oui, le PSG, comme je l'avais annoncé, de toute façon, c'est... Voilà, on n'a pas de milieu de terrain, on s'est fait bouffer. Bravo à Marseille, il mérite amplement cette victoire. Il n'y a rien à dire, ça faisait 10 ans qu'il l'attendait. Ils l'ont enfin eu en Coupe de France.
Oui, mais bon. Non, non. Mais voilà, il n'y a pas à dire. En ce moment, Paris, est, c'est une catastrophe. En plus, là, on m'a dit, je viens de voir un virus dans... Mais bon, on va pas parler du PSG. C'est comme d'habitude. Ils sont dans leur période où ils sont ivres. Et c'est du n'importe quoi. Et peut-être que mardi, en Champions League, ils vont nous sortir un match extraordinaire où ils vont frapper le Bayern. Mais bon, ça, c'est encore un autre truc. Salut Kylian, salut C4. Wally, bienvenue à tous, à Cherrier et à Ghost. Voilà, petite parenthèse PSG faite. Maintenant, on passe aux choses sérieuses, ce qui nous intéresse. Je vais déjà répondre aux questions qu'il y a dans le chat, comme d'habitude, YouTube. Donc, je remonte tout ça parce qu'il y a eu beaucoup. C'est quoi les meilleurs joueurs que vous avez packés? Alors, moi, j'ai packé Salah. Et, vous voyez, j'ai mis dans mes ventes là. J'ai packé Ruben Diaz, que j'essaye de vendre. Doucement. Hey, Rockstar qui arrive et tout. Je vais arriver avec le blouson en cuir. Aujourd'hui, il y aura pas de rats. Ah, mais si, il y en aura toujours. Hein, mais astuce pour gagner des crédits, il va y avoir des rats, c'est obligé. Moi, c'est une astuce. Non, il n'y a pas d'astuce. C'est, je vais vous montrer comment font les gros joueurs pour récupérer les millions. On va essayer d'en avoir aussi. Maintenant, ça va être compliqué. J'ai eu Koulibaly, j'ai eu Mbappé. Ouais, ça va, vous êtes tranquille. Salut Alphonsine, Saïd, j'ai eu Mbappé dans un pack échange. Oh, Loto France, hello, bienvenue à tous. Je vais pas dire bonjour à tous ceux qui arrivent parce que ça va être très compliqué. Merci Gros Nico pour la modération, comme d'habitude. Petit Franck, j'espère que tu vas bien. Je vais mieux, j'étais malade. Je sais pas pourquoi, en ce moment, il y a des petits virus. J'étais pas bien, même là encore, je suis pas encore bien foufou. Mais dès que je suis avec vous, hop, un petit coup de boost et ça repart. Ça va très bien, merci Alphonsine. Demain, jeu de la carte. Oui, bien entendu. Hein. Pourquoi c'était écrit Grilich alors que c'était mail, hein? Salutations de passage en ce samedi, je n'ai pas fait grand chose à foutre. Demande du coup de quoi consiste ton live ce jour. Comme demandé, petit coucou au passage. Oh là, on va... C'est dur. Attendez, je suis enroué. On va essayer de vendre les joueurs, mais toutes les cartes. Pas seulement du défi, mais toutes les cartes. Bonjour, tu vas gagner le pass aujourd'hui. Non, dimanche prochain. Je faudrait changer le fond violet et mettre un faux plus simple noir. Pourquoi? Ça te fait mal aux yeux, Nizer? Si tu veux, crée-moi un fond plus simple, je t'en prie. Parce que comprenez bien, pour la plupart que t'es peut-être pas au courant, mais je fais tout seul. Les montages, les vidéos, les lives, les miniatures, les scripts, les ceci, je fais tout seul. À côté de ça, je travaille, j'ai une vie de famille, et je fais ce que je peux. Hein, je peux pas. Déjà, regarde la première vidéo de la chaîne et regarde celle-ci. Tu vas voir la différence. Je suis trop content. Pourquoi Alphonsine? Pourquoi es-tu si contente que ça? Tifranc, tu as vu, il y a un virus. Oui, bon, voilà, bonjour. Est-ce que c'est juste pour la totine? Non. Parfait que tu fasses cela, car j'arrive jamais à vendre mes joueurs. Bah, exactement. Tu peux m'accepter en ami? Non, j'accepte personne parce que j'ai trop de demandes. Donc si j'accepte une personne, il faut que j'accepte tout le monde et je peux pas. Tu manges des pèzes, n'allez pas croire qu'il fume. Hein. Oui, tout à fait, monsieur Weir. Je suis le premier à mettre Vinicius Reset, mais il ne veut pas se vendre. On va en parler de ça aussi. Je suis le premier à mettre Serge J105, il se vend jamais, ça fait une semaine, je suis le premier à se vendre, j'en ai marre. Mais je te rassure, on est tous les premiers et on se vend jamais. Donc c'est ça le problème. Je suis le premier, bonjour le GOAT, c'est quoi le meilleur entre Klose 106 et Eusebio 109? Bah, tu te poses même pas la question, Eusebio. Alors, je vous rappelle que j'ai toujours énormément de retard sur le chat. Me posez pas 10 fois la même question. Sinon, je vais vous dire 10 fois la même chose et je vais être encore plus en retard. J'ai eu Mbappé. Bravo! J'essaye de vendre Klose. J'ai réussi à le vendre tout à l'heure. J'ai réussi à le vendre. Me demandez pas pourquoi, comment. J'achète Hakimi 106 ou bien tout le monde le demande. Ouf, garde-le. Il va y avoir un Totti qui va sortir.
GG aux 5 qui ont gagné des pastards. Du moins, il y en a 4 qui ont gagné, un qui l'a gratté. GG à lui aussi. ZX FIFA Mobile, j'en ai marre aussi. Oui, le défi, il est claqué, Ali, claqué. Hein. On est d'accord avec ça. Je vais baisser un peu le micro, j'ai l'impression que c'est un peu fort. Félicitations pour l'édica. Merci pour les roses, fans. Tu peux dire sur quoi Momo a fait sa photo de profil, s'il te plaît? Ben, je sais pas, moi. Momo, je le connais pas plus que toi. Hein. Je papote un petit peu avec lui pour YouTube et les vidéos, mais c'est tout. Je sais pas du tout. J'en ai aucune idée. Demande-lui directement. Je suis le. Parfait que tu fasses cela. Voilà, il me repose 50 fois. Moi, j'ai pas gagné le pass, j'avais gagné de jouer contre toi et tu m'as mis 3€. Bah oui, Volcan. Ah oui, exact, Volcan. Excuse-moi. J'hésite, follower ou The Bio, follower. Titi, tu peux commencer. Tranquille, on est posé. Tu commences ma chaîne avec du contenu FM, ça fait 5 jours. J'ai commencé ma chaîne avec du contenu FM. Bah, envoie-moi le lien, je vais aller voir ça. Si je trouve que tu proposes du bon contenu, je t'en ferai de la publicité. Les défis nuls, j'en ai marre. On est complètement d'accord. Donc, ceux qui ont vu ma vidéo guide ce matin ont pu s'en rendre compte qu'ils nous ont fait un gros caca. J'ai paqué Rune 109 dans le pack SBC 108+. Il y en a qui ont de la chance. Ça t'a coûté combien? La Toti est pire que la Toti d'avant. Non, la Toti d'avant, elle était extraordinaire. Celle-là, elle est... C'est le pire des défis. La personne qui m'a appelé dans l'échange, il a toutes ses cases et tu es d'accord, Tifranc, hein? Non, il faut faire tous les... Pour avoir pelé, il faut faire les 10 matchs, hein, c'est tout. Le meilleur défi, Coupe du Monde. Non, c'était la Toti l'année dernière. Merci pour la réponse. J'achète qui entre Rooney et Salah? Salah. Petit Franck, t'as déjà fait le tuto pour la vente? Non, j'ai fait un tuto vente, mais pas aussi détaillé qu'on va faire aujourd'hui. Le pastard, je l'ai jamais, s'il te plaît. Salut, c'est le tirage au sort se fera dimanche prochain en live sur YouTube. Je t'ai vu ta vidéo ce matin et puis défi. Bah voilà, ça me coûte cher pour qu'au final j'ai pas été remboursé. Bah oui, c'est ça, c'est pour ça. Si t'avais entendu ma petite vidéo guide comme tous les samedis, bah voilà, t'auras pas fait la bêtise. J'ai acheté un maillot de foot ce matin. Bah GG. C'est quand FIFA 20, jamais. Le défi pelé n'est pas ouf pour un pelé 108. Oui, trop facile, mais c'est un cadeau. C'est un cadeau tout simplement. Ça sera quoi le meilleur entre Pelé BU et Mossé pour le défi? Ça dépend de ce que tu as besoin. Tifranc, c'est quoi la Toti de l'année dernière pour savoir un peu si c'est lui? Bah, l'année dernière, j'avais fini la Toti avec une full équipe icône prime. Utoti. Voilà. Là, on ne sait même pas si on va en avoir deux. On ne sait pas. Je me suis fait 150 millions en 3 jours grâce aux ventes. J'achète ou pas ma canot? Non, yo TG, bon, allez, comment on fait pour avoir plus de crédit? Bah c'est le moment, on va y aller, on va se mettre, je replace le chat, pourquoi il veut plus se replacer? Ah, le chat TikTok qui veut plus non alors si je fais ça, ça va pas marcher. Pourquoi le chat TikTok ne veut plus fonctionner? Et il me reste en plein milieu de la page et là je suis bloqué. Et là ça va être très très énervant de faire ça. Ah non. Ah le chat, non le chat, non. Le chat TikTok, s'il te plaît. Bon, je vais... Non, je sais pas comment je vais faire avec le chat TikTok. Le chat TikTok, je relance, ça bug. Je peux pas le bouger, le chat. Il est en plein milieu de mon écran, je peux strictement rien faire. Il est carrément bloqué. Ah, non, j'avais verrouillé le panneau. C'est bon, ça fonctionne. Excusez-moi, hein, je découvre le double streaming, hein, je fais ce que je peux. Donc, qu'est-ce qu'il va nous falloir pour ce... pour ce marché. Donc ça, c'est les joueurs que j'ai mis à vendre. Hein. Donc, nous allons avoir besoin du jeu. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, un papier, un stylo. Voici la liste des joueurs que j'ai. Donc, j'ai mes joueurs. J'ai les joueurs que j'aimerais vendre. Par exemple, on va prendre les joueurs...
Matvienko. On va regarder. Donc, qu'est-ce qu'il va nous falloir d'autre? Bah, il va falloir déjà aller sur une page internet pour avoir leur GMT France ou de votre pays. Hein, voilà. Et ensuite, aller sur FIFA Prize. Ça s'écrit FIFAPRIZEE.com. Voilà, vous allez arriver sur cette page. Vous allez, il va vous demander votre région. Moi, je suis en Europe de l'Ouest. Vous voyez, il y a toutes les régions. Ça dépend aussi où vous vous trouvez. Donc, moi, je suis en Europe de l'Ouest. On accepte tout. Et joindre Discord, il va m'embêter. Bon, j'y suis déjà. Comme vous pouvez voir, on a déjà les horaires de comment dirais-je, de Pelé qui vont même pas sortir. Vous voyez, il y a tous les joueurs là. On peut voir que dans 1h02, ça va être les joueurs TOTW qui vont être à vendre. Donc, nous allons regarder, je vais mettre le chat ici. Donc, on était parti sur les joueurs Coupe du Monde. Donc, on recherche. Héros nationaux, rivalité kick-off, T1, transfert, alors c'est où il est où le défi Coupe du Monde dedans le défi Coupe du Monde, je le vois pas, il est là, World Cup, ici. Voilà, le défi World Cup, il est dans 59 minutes. Donc ça veut dire qu'il est à le prochain reset World Cup, on va noter. À 15h30. Et comme vous pouvez voir, ça c'est pour les gros joueurs. Donc ceux-là en fait ils nous intéressent pas. Or ils nous intéressent pas puisque ceux qui nous intéressent, donc les 106, on regarde s'il y a une différence d'horaire. On va taper carrément le nom du joueur, ça sera plus simple. Joueur, donc c'est où? Ah non, c'est là, rechercher. Donc nous allons taper le joueur que j'avais dit, Paredes. Il est dans 48 minutes, donc c'est bien ça, 15h30. 15h20. 15h20, donc on va le noter, 15h20 pour les joueurs Coupe du Monde. Ensuite, donc j'enlève ça, on a donc les joueurs Coupe du Monde, on sait que c'est à 15h20. D'accord. Nous avons les joueurs tels que ceux-là, Scream Team. Vous voyez, j'en ai beaucoup, j'ai pas cherché. On va regarder Barreau, on va le regarder. Dans 30 minutes celui-ci, donc ça va être 15h. Alors script team, scream team 15h. On va regarder à partir de 15h. Ok, et voilà comment ils font. Alors je sais qu'il y a une liste qui existe, je l'ai pas, donc c'est pour ça qu'on fait ça en regardant. Oh, il y a eu un nouveau membre. Oh, Baptistin Le Parisien, bienvenue, merci beaucoup, bienvenue dans la petite team. Les gars, j'ai une chaîne YouTube, c'est Nat FIFA Mobile. Bah, n'hésitez pas à aller la check, si ça vous plaît, abonnez-vous. Voilà, merci Nathan pour le FIFA Prize. Il faudrait que je le mette dans... Senko, si t'es un joueur d'un milliard, c'est normal qu'il ne se vende pas. Hein. J'ai acheté tout le pass, j'ai pas eu plus que 105. Oui, bah c'est dur pour ça. Donc nous avons aussi ces joueurs-là qui sont les héros nationaux. On va regarder tout de suite les héros nationaux. Héros nationaux. Donc on va regarder pour Manea. Voilà, dans 15 minutes. Ah, alors attention, il va falloir faire attention à lui. Héros nationaux, ça va faire 14h50.
14h50. What? Donc je fais vraiment ce qu'il faut pour vous montrer comment on peut faire, hein, à chaque fois. Hein. C'est quand tu fais gagner un pass, dimanche prochain. J'ai un joueur d'un milliard de crédits, ben moi c'est... voilà. Tu n'as rien raté pour le moment. Pour le moment, tu n'as rien raté. Donc nous avons les héros nationaux. Donc nous avons les Coupes du Monde qui sont là. Donc il va y en avoir beaucoup à vendre. Qu'avons-nous comme encore défi? Bah nous avons, bah tiens, Danilo, hein, Danilo, c'est TOTW. Si on peut s'en débarrasser, hein, on va essayer de tout vendre. Hein. Donc, Danilo. Dans 44 minutes, 44... donc 40, 15h20, 15h20, non c'est pas celui-là, oula, non c'est celui-là, celui-là dans 55 minutes, donc 15h30. Comme ça on va se faire un petit planning des ventes. Qu'avons-nous encore à vendre au niveau des cartes? Alors ça j'enlève pour qu'on puisse être check. Je pense que c'est tout. Hein. C'est, je sais pas si les héros nationaux. On va regarder à Londres les petits 80. Est-ce qu'il y a une différence d'horaire? Il y a peut-être une différence d'horaire entre les cartes aussi. Attention. Hein. Et voyez là, le héros nationaux, il est dans 10 minutes. Les grosses cartes héros nationaux. Et pourquoi les petites est-ce que j'ai des grosses cartes héros nationaux? Il me semble que oui, Mena, c'est tout, c'est le seul que j'ai. Donc là, par exemple, pour les 106 héros nationaux, vous avez vu, le refresh est dans 9 minutes. Alors que là, pour son héros nationaux, à lui, dans sa version normale, il est dans 40 minutes. Dans 40 minutes. Donc, vous voyez, héros nationaux 80+. Ça nous fait du 15h18. Vous avez vu la différence? La différence entre les régulars et les comment dirais-je les 90+ et les 100+ et les 80. Donc il y a peut-être possibilité aussi pour les 89 genre SAR. Voilà. Ça soit pas le même horaire. SAR 42 minutes Coupe du Monde. 42 minutes, ça nous ferait quoi? Vous voyez, les 99 World Cup, soit un 99 moins, ils soient à 15h10. Non. Alors 40, donc 15h20, non ils sont en même temps, les 99, voilà, tous les World Cup sont en même temps. Ah bah, regardez, je vous montre en direct. Ah bah vous voyez pas, j'ai le Google qui était fermé. Regardez, vous voyez, hop, Terrier, 101 que j'ai réussi à vendre. Comprends pourquoi, j'en ai aucune idée. Yo Momo, les 10K, ouais, bah ouais, une semaine après toi, t'as fait les 100K, moi je fais les 10K. Hein, je suis 10 fois plus petit. Merci beaucoup. Les deux gouttes de FIFA Mobile sur le même live. Bah oui, souvent, il est quelle heure chez vous? Bah ça dépend, c'est pour ça que je vous dis que il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment que vous preniez un site heure locale GMT. Voilà, vous mettez votre ville et ça correspondra à votre, comment dirais-je, à la région où vous êtes.
Donc il faut vraiment faire attention. Là, on va être au niveau de l'Europe de l'Ouest. Hein. J'ai réussi à rien vendre depuis ce défi. Bah, tu vois, là, on va essayer. Donc si je remets dans l'ordre, nous avons les héros nationaux dans 10 minutes. Dans 10 minutes, nous avons les cartes héros nationaux. Donc, ma liste de joueurs. On va prendre... Non, mes joueurs. On va chercher le défi héros nationaux. Programme héros nationaux, ils sont là, appliqués. Voilà, j'ai tout ça en héros nationaux à essayer à vendre. D'accord. Nous savons que ceux-là, ils sont à vendre, pour moi, hein, à 15h18. Par contre, tout ce qui est... les 90, j'ai pas regardé les 90 héros nationaux, voir ce que ça donne. Est-ce qu'ils ont le même horaire ou pas? On va prendre Gmec là. Dans 7 minutes. Vous voyez, dans 7 minutes, celui-ci, donc ça va être... il va falloir commencer par les 99. Voilà, les 80, donc les 95. On va regarder Manea quand même, si c'est dans 7 minutes aussi. Manea. Dans 8 minutes. Donc vous voyez. Je sais pas, oui, si vous voyez. Non, il faut que je passe ça. Voilà. Donc, les petits joueurs vont être à vendre en premier. Les petits joueurs vont être à vendre en premier par rapport à. À ce que nous dit FIFA Price. Donc ça va être ces joueurs-là en premier à vendre. Donc bien entendu, on va commencer à essayer. Ah bah Alan, lui, on va pouvoir le vendre parce que de toute façon, il est demandé. Hein, on va le mettre à vendre. Hop, ça va récupérer des crédits. On va profiter. Hein, on va pas manger, on va pas des. Hein. Toujours des crédits. Ça va partir. Mais là, par exemple, les Donnarumma, on va en mettre. Vous voyez, il est à 180 000, on ne peut pas le vendre théoriquement. Verratti, pareil. Théoriquement, on ne peut pas le vendre. Barella, pareil. Voilà, on va déjà faire ça dans un premier temps. Hop, on va récupérer. Et donc, on va essayer de revendre ces trois joueurs là par rapport certains joueurs ne vont pas chuter car c'est leur prix minimum. Oui, je sais. Là, ils sont au prix minimum. Mais tu vas comprendre ce que je veux dire. Donc, Haaland. Voilà sa petite carte. Sans reset. Ah non, c'était pas Haaland. Pourquoi Haaland, là, il me le met dans 34 minutes. J'ai dit quoi? Héros nationaux, ça doit être les 100 plus alors. Akini. Je me dépêche de trouver parce que ça va être l'heure. Voilà. Ah, et Manea, on a dit. Voilà, donc c'est les 80, c'est les 90 plus. Makievenko. Madvien. Et lui, dans 4 minutes. Donc, hop, on va se mettre ici à... Et donc, moi, je vais me mettre pour bien voir ici. Donc, on va mettre McCannin.
Voilà, il est là dans 3 minutes. Donc je vais me mettre dessus, je vais me préparer à le mettre à vendre, donc je vais papoter avec vous pendant 3 petites minutes. Et puis on va passer aux autres joueurs, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on va pouvoir les vendre? On verra bien. Non, le reset, il est à 54-54. Moi, j'ai un timer, hein, heure MGT, 3 heures dans 2 minutes et 35 secondes. Bah, là, justement, c'est les héros nationaux 90-99. Franck, j'ai pas compris. Oui, Nathan, c'est avec FIFA Prize, comme le dit Nathan, qu'on peut trouver les horaires des joueurs. Donc vous voyez, là il me reste 2 minutes. Hop, je me mets comme ça, j'ai le timer, et dès qu'il va être débloqué, je vais mettre en vente tous mes joueurs 90 plus de ce défi. Pensez à les débloquer, voilà, débloquer. Puis on va voir si on va réussir à les vendre. Hein. Tifranc, tu joues à Clash of Clans, le jeu est grave stylé. En plus, il est... Non, j'y joue pas. Essaye de vendre au Siemens. Ben, je vais essayer de vendre... Ben, j'ai pas au Siemens. Je l'aurais vendu, je pense. Là, je suis sur le... on est sur l'horaire des héros nationaux. Ensuite, ça sera Scream Team. Ensuite, ça sera le World Cup. Ah bah non, les World Cup, bah c'est là. World Cup 99+. Non, ça, c'est les héros nationaux. Ensuite, ça sera les World Cup 99+. Ensuite, ça sera les héros nationaux 80+. Ensuite, ça sera les World Cup 100+. Et ensuite, ça sera les TOTW. Les TOTW. Alors, il nous reste 30 secondes. On va essayer de vendre ça. On va voir si ça fonctionne. FIFA Prize. Hello Thibaut. J'ai paqué Marquinhos. Oh, GG. Alors, 13, 12. Comme il y a un reset, théoriquement, hein, l'horaire ne change pas. Voilà, hop, on vend. Et on va voir ce que ça va donner. Lui, je pense que je pourrais le vendre plus cher, lui. Lui, je vais encore le garder parce qu'il n'y en a pas beaucoup, en fait. On va le garder, il n'y en a pas beaucoup. Son prix peut peut-être potentiellement remonter. Donc voilà, j'ai mis les joueurs en vente. On va voir ce que ça va donner. Donc on va repartir sur le site. Hop, voilà. Donc on a dit que ensuite, héros nationaux, 17h50. Héros nationaux. Bah on y était, héros nationaux. Ah oui, donc héros nationaux, c'est les gros. Voilà. C'est ceux-là. Donc Manea. Dans 1 minute 10. Donc hop, je me remets ici. Donc Manea. Hop. On se prépare à le revendre. J'ai 30 millions de pièces, une équipe de 130. Je sais pas quoi mettre en DG. Tu mets personne, t'attends la fin de la utopie pour le truc. Pour le reset, c'est mieux FIFA Renders s'il y a la seconde exacte. Je sais pas, j'ai pas testé FIFA Renders. Bah, là aussi, il y a la seconde exacte.
Ouais, mais Jim, il a 95, tu as monté vite. Je suis dégoûté parce que j'avais 145 millions de crédits. Ouais, mais tu as remonté très vite. C'est pas grave, tu as perdu ton compte, c'est pas très grave, hein. Salut, j'ai 53 millions de crédits, j'ai une équipe à 113. Tu me conseilles quoi comme AG? Je te conseille d'essayer de débloquer dans la totie, n'achète rien. Non, non, là, je vais pas faire de faf aujourd'hui. Attendez, je suis en train de papoter, il faut que je regarde. Il reste 30 secondes. On a la seconde près, moi je vois la seconde près, hein. Là c'est pareil, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Pour les joueurs de la TOTY, ça fonctionne, vous avez bien vu là, le premier j'ai réussi à vendre à 101, pourquoi, comment, je sais même pas, alors que dans les autres j'étais sûr d'être premier, alors que lui j'étais pas sûr. Donc c'est parti, 3, 2, 1, 0, allez on le met à vendre, on verra bien. On met l'autre joueur à vendre aussi. On verra bien. Hop, confirmé. C'est parti. Donc, nous avons fait héros nationaux. C'est fait. D'accord. Donc là, le prochain reset, c'est les Scrim Team. Pour relancer le jeu? Non, 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 non. Non, non, il n'y a pas besoin de relancer le jeu. Non, non, j'ai le timer devant moi. La minute, elle n'était pas passée. Donc, n'oublie pas qu'il y a un décalage. J'ai un décalage entre ce que tu regardes et ce que je fais. Hein? Te fie pas à moi pour appuyer au même moment que moi. Donc là, c'est la Scrim Team. La Scrim Team, bah, c'est pas compliqué. Hein, j'en ai que deux. Barreau et Mbono. On va regarder. Hop. Barreau dans 11 minutes et Mbobo. Dans 11 minutes aussi, voilà. Donc on le sait, dans 11 minutes. Donc on va papoter un peu, on va regarder, je vais regarder un peu ce qui se dit sur le chat. Mais leur prix est déjà au minimum, donc comment tu veux les vendre? S'il y a un reset toutes les 2 heures. Il y a un reset toutes les 2 heures. T'es d'accord avec moi? Donc, théoriquement, ceux qui sont déjà mis en vente, ils sont déjà mis en vente. Mais tu dois pouvoir passer devant. C'est obligé. Tu peux pas. C'est pas possible que d'attendre qu'il y ait. Sinon, les joueurs sont complètement invendables. Je pense qu'il est possible de les vendre. On va tester. On verra bien. De toute façon, il faut bien qu'on trouve une solution. Voilà. Ça sert à quoi, s'il te plaît? Le nom, s'il te plaît. Quoi donc? Un FIFA Prize. Si les prix des joueurs dominent, non, pas automatiquement. On va voir. Moi, je pense pas parce que c'est un bot. C'est un bot qui achète les cartes. Donc, s'il y a un reset, automatiquement, il y a potentiellement une chance qu'il se passe devant. On verra bien. Si ça fonctionne pas, bah, tant pis, hein, vous aurez passé 2 heures avec moi à papoter du truc. World Cup, c'est à 15h20 les World Cup. J'ai installé FIFA chinois, mais c'est pas la dernière mise à jour. Tu sais comment faire pour. Non, je joue pas à FIFA chinois. J'ai 8,50 pour la Utoti. J'aurai le temps pour les 50. Bah oui, moi je suis en play to win et j'en suis qu'à 10. Donc ne t'inquiète pas. Hein, tu vois, j'en suis à 10 ou 11 peut-être. Non, c'est Toti ici. J'en suis à 10. Donc tu es bien, hein, et regarde, non, c'est ici. J'ai pas de joueurs, si j'ai deux joueurs, tu vois, deux joueurs 98. Moi les 98, je sais pas de les revendre, je les remets dans le. De toute façon, il va falloir les mettre dedans. La totie en débloqué, il faut être combien à peu près? J'en ai 9. Bah t'es très bien, vous êtes bien. 8, 9, 10, c'est très bien. Vous êtes très bien là. 8, 9, 10, c'est très bien. Faut vraiment avoir de la patience pour vendre les joueurs reset, moi j'y arrive pas sincèrement. Reda, je suis dans le même cas et en plus souvent ce que je fais c'est que je m'occupe que du défi en cours. D'accord, là en théorie c'est la TOTY. On sait que c'est à 53 des heures impaires, donc ça sera à 15h53, ça sera le dernier reset qu'on fera pour mettre les joueurs en vente. Je sais que c'est fatigant, mais pour faire les crédits, hélas, il n'y a pas autrement. Acheter les pastards,
Tu sais comment gagner beaucoup de points pour passer pour avoir 110 cantona. Tu fais tous les matchs division rivale, multi-attaque, face-à-face, mode carrière. Tu fais toutes les coupes du monde. Je vais me mettre là pour faire attention parce que si je me fais avoir par le timer. Tu fais toutes les compétitions Coupe du Monde. Je crois qu'il m'en reste encore une à faire là. Tu fais le parcours héros. Tu fais tout ce qui est possible à faire. À chaque fois que tu fais un jeu technique, un match, peu importe quoi que ce soit, tu prends de l'expérience pour le Pastar. Voilà, moi j'en suis à l'heure actuelle au palier 54 dans le Pastar. Salut FK, FK, t'es le meilleur youtubeur FIFA Mobile. Bah de Mobile ça va être compliqué. Hein. Il faut être à peu près palier combien? Bah je viens de le dire. Voilà. Si vous voulez savoir le palier. Le palier. Alors attendez. Hop, ça. J'ai les petits amis de la des mousquetaires qui m'ont donné. Comment s'appelle on va aller voir. Hop, c'était dans une discussion, je crois, que j'ai vu ça, qu'ils avaient mis ça. Je le recherche. Ah, ça papote hein, chez les mousquetaires. Hein. Mousquetaire fun, les vieux ils papotent. Hein. Est-ce que je l'ai mis quelque part? Voilà, donc je vais quand même tiens, je vais enregistrer les mirages sous, comme ça je l'aurai dans mon truc enregistré. Donc pour ce qui est on est le 11 février, donc le samedi 11 février, vous devriez être palier 48. Voilà, aujourd'hui. Palier 48 aujourd'hui pour être dans la moyenne. Hop, on se remet là. Donc encore 7 minutes. Je suis trop triste, j'ai mis 500 balles dans le jeu et je suis 123 et 50 millions, c'est bien. Ou pas, surtout que j'ai commencé depuis le début du jeu. Merci d'avance, Steve Frank. Non, c'est pas bien du tout. Franchement, Cam, tu devrais être à 133 et tu devrais avoir 1 milliard. Je suis niveau 44 dans le Pastar. Ça va passer pour finir. Bah, t'es en retard. Il faut être niveau 48. Tu peux montrer ton équipe? Oui, je peux montrer en attendant. Il reste 7 minutes. C'est mon équipe, ça, à l'heure actuelle. C'est quoi les meilleurs investissements pour vendre? Il n'y a pas d'investissement, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Je suis à 7 niveaux défi pour débloquer le Utoti. Mais Jimali, t'inquiète pas, tu vas y arriver. Et au pire des cas, tu vas attendre. Les 98 vont chuter en prix. Là, ils sont très chers, mais ils vont chuter. Il y en a tellement, ils vont arriver à pas très très cher. Tu pourras faire les SBC derrière pour pas trop. Donc garde tes crédits pour ça. Tu penses que je vais l'avoir? Je sais pas. Pas terrible, Cam, tu as pas mal géré ton ami. J'ai récupéré Nuno Tavares, coûte 1 milliard 5. Je n'arrive pas à le vendre. Il baisse à 800 millions. C'est le deuxième joueur le plus joueur de FIFA. Mais oui, mais Nuno Tavares, mais qui va l'acheter, mon ami? Qui va l'acheter? Tu peux me dire? Personne. Personne. Personne va l'acheter. Qu'est-ce que tu veux que quelqu'un t'achète ce joueur? Moi aussi, tu vois, je peux l'acheter. Je veux pas l'acheter. Personne ne va le vouloir. Ça sert à quoi? Et si tu regardes dans le truc, je suis sûr qu'il y en a combien qui le vendent. Regarde, t'en as 580. Bien sûr que les 580, ils vont se battre pour le vendre. Ils vont se battre. Oui, Pace, Pelé et BU vaut largement plus le coup que Van Persie. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. D'ailleurs, tiens, on va aller regarder son reset à Nuno. Donc, on a encore 5 minutes. Ah,
Ah bah 4 minutes 30. Bah tiens, on va. Vous savez quoi? Bah tiens. Hein, pourquoi je peux pas l'acheter? Ah oui, oula, j'allais faire la bourde. Moi je veux pas la. On va essayer de le vendre. On va voir. De toute façon, ces points-là, ils me servent à rien. Allez. Mes joueurs. Donc eux, on va les mettre à vendre. Comme ça, je sais que c'est les prochains. Hop, Nuno Tavares, il est où? Il est là. Hop, on va le vendre. Ah oui, vous voyez pas le timer aussi. C'est pour ça. Donc vous voyez, là le timer, il est dans 3 minutes 44. Bonjour, ça fait combien de temps que tu joues? Ouh, ça fait 5 ans que je joue. 4 ans. Rouge galère à vendre des joueurs, tu peux m'aider? Bah tu vois, on est en train de le faire. C'est tout ce que je peux faire. Tu vas prendre quelle carte de Pelé? Oh, BU, certainement. Je cherche un bon DC pour remplacer Ferdinand, Guardiola, TOT, ça va. Oui, Guardiola, TOTT, très bien. La prochaine vidéo, c'est quoi? J'en ai aucune idée. Je vais Mbappé, je vends ou je laisse? Non, vends Mbappé, vends-le, tant qu'il coûte de l'argent. Voilà. Non, aujourd'hui, je fais pas de match, parce que là, on s'occupe d'essayer de récupérer des crédits, de montrer à tout le monde comment faire et essayer d'en avoir. Bonjour, tu fais quoi dans 5 minutes? Bah, je vais essayer de vendre une carte. Voilà, on va essayer de vendre une carte, tout simplement. On remet le timer. Pour voir. Donc, dans 2 minutes 46, on va essayer de leur vendre. Qui sait, hein? Il faut savoir aussi que le week-end, il est plus dur de vendre les joueurs parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Voilà. Bien entendu, ceux qui vendent en pleine nuit, c'est beaucoup plus simple. C'est FIFA Prize, le site. C'est bien plus simple que de le vendre là quand il y a tout le monde. Là, je sais que les Tavares, vous allez voir, je vais les mettre. 3 secondes après, ils vont en avoir déjà 200. Donc, on va être, ça va être très compliqué. Donc, FIFA Prize. T'as combien de crédits? Là, à l'heure actuelle, 470 millions. Donc c'est pour ça, il faut vraiment faire attention avec ce genre de joueur. Il y a de belles stats en MOC aussi. Oui, mais bon, j'ai, comment il s'appelle, Bergkamp, je vois pas pourquoi je veux le vendre. J'ai besoin d'un MOC Pelé, il est, mais Pelé, ATT peut jouer en BU et MOC, du coup je prends le ATT ou MOC. Tu fais comme tu veux, le sosie. Tu prends celui que tu veux. J'achète Vinicius Junior Totti 108 à 62 millions maintenant ou après. Attends un peu, ça va descendre. Alors... Dans une minute... Donc, hop, une minute. On va commencer à le vendre. 828, on regarde. Non. Ah ! Bon, bah c'est pas grave. La boulette. Ah non, il est encore là. Oh, J'ai cru que j'avais recyclé. Donc 828. Oh, j'ai cru que je l'avais recyclé. Voilà. Oh, mon cœur. Oh mon cœur. Oh. Oh.
passer à autre chose. Donc là, c'est les Scream Team. Scream Team, c'était là. On va le remettre avant. Tant pis, on a pas mis à l'horaire pile. Mais bon, comme beaucoup ne le font pas, en même temps, peut-être que ça passera. On sait jamais. On va regarder. Regardez le nombre de... Il y en a déjà 62. Ça fait quoi si on recycle? Bah, tu le prends pour... tu reçois 100 crédits. Voilà, 100 crédits. Ça fait mal, 100 crédits. Il se supprime, et oui, 100 crédits. C'est très très dur. Genre, oui, c'est ça, tu recycles... c'est grave. Mais il y en a 4 en vente, il va augmenter, Vinny. Bah, peut-être, peut-être pas. Je viens de faire le reste à le reset à la 14e place. Non, parce que on va le débloquer encore. Voilà. Demande que tu seras choqué de mon profil. Pour voir pendant combien de temps tu peux le reset. Ouais. Comment on veut les joueurs entraînés? Il faut que tu transfères les rangs, hélas, pour ça. Il faut que tu les transfères sur un autre joueur et ça coûte des éléments de transfert. Donc là, le prochain reset, c'est les World Cup 99 qui sont dans 6 minutes. Donc, mes joueurs, on prend. Donc, World Cup 99 max. Voilà. Tiens, j'ai les Neymar à vendre. Ils augmentent, hein. Je les ai achetés 200 000 crédits, les Neymar. Hein. Et j'ai pas osé trop investir sur lui. Mais bon, bah on va récupérer quelques millions. C'est pas. C'est toujours ça. Donc, on va regarder Hakuna. Hakuna. Hop. On se met comme ça. minutes. Ah, alors pourquoi Star? Star dans 12 minutes. Donc c'est pas les 100. Et le programme au FIFA World Cup. Ah oui. Paredes alors peut-être. C'est peut-être les 14 minutes. Donc c'est dans 10 minutes. Donc il est à 22. Hop. Et il est 99. Donc 99. En 12 minutes. Donc à 20. C'est 20 et 22. Donc on a les héros nationaux 80 plus. Héros nationaux 80 plus. Voilà. On va faire premier héros nationaux 89. Chercher. On va essayer d'en mettre un ou deux. Il est immobilier. On va regarder. Voilà. C'est celui-là. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Dans 6 minutes. Ça, hop, on va se remettre dessus. Alors,
Le Nuno Tavares, souvent, il était à. Donc, 600 à le vendre, tous les cas, il se vend. Une fois que les récompenses Ligue Champion vont changer, il va augmenter. T'es sûr, Aslan? Et tu me conseilles quoi surtout pour faire, pour devenir? J'ai mis 500 balles dans le vide. Aide-moi, Tifranc, j'ai 123 de gêne. Ah non, dans le jeu. Bah, Cam, tu mets pas d'argent, tu fais le défi normalement et tu vas voir. Tu vas monter. Monte tes primes, enlève tes joueurs que tu as en remplaçant, mets les ranks et tu vas monter. Voilà. Mais pendant un live, dans la Tot The Minute, tu avais montré comment vendre des joueurs en training sans avoir besoin. Oui, ça fonctionne plus. Ils ont. Ils se sont rendus compte, hein, ils ont enlevé le bug. Bon, Griezmann, Totti, 105, il veut pas se vendre. C'est normal, il était dans le pass, tout le monde l'a eu pratiquement. Donc, bah oui, oui, Pelé est gratuit. IA devrait changer le système de recyclage d'un joueur de 100 crédits et le passer au minimum de vente de joueurs sans les primes. Ah ouais, non, mais attends, on serait à... T'imagines le nombre de trucs. Adam, pas la peine de... On parle pas des moments, s'il te plaît. C'est... Ça sert à rien, il dit ce qu'il veut, et puis voilà. On aurait des milliards. Là, pour avoir un Totti, il coûterait 500 milliards. C'est pas possible. Comment on se fait des crédits bat? Regarde le live, on est en train de regarder. Là, dans 5 minutes, on va essayer de remettre des joueurs à vendre, voir si ça part ou pas. FIFA Prize, le site Sangol. Oui, oui, on aura un peu les gratifs, c'est sûr. Il suffit de faire les matchs. Tu joues pas à FIFA? Non, là, on est sur le marché, on essaye de revendre les cartes. Aujourd'hui, c'est on essaye de revendre les cartes. Oui, je sais, sur... désolé, sur TikTok, je sais pas trop comment ça fonctionne, le truc. J'aurais dû changer le titre et... je sais pas si je peux le faire encore. Ah non, je peux pas. Non, je peux pas modifier le titre. Je peux pas modifier le titre. Je suis désolé, TikTok. Normalement, je joue contre les abonnés, mais là... Oui, le marché, il est complètement trop mal fait. On est tout à fait d'accord avec toi. C'est une catastrophe, ce marché. Pourquoi tu investis sur Neymar? Alors, ce que je fais, c'est le lendemain, quand un défi se finit, je regarde les cartes où il n'y en a pas sur le marché, où il n'y en a pas 999. Même j'attends des fois 2-3 jours avant de les acheter. Neymar, il y avait des demandes, il n'y avait pas de joueurs qui étaient en vente, donc j'en ai acheté. Pareil pour mes Chinois du défi Coupe du Monde, je crois aussi. Pareil, donc eux, je les ai achetés, je me suis dit, bon, on va tester, c'est un test. Et ça a l'air d'être concluant, c'est-à-dire que en fin de défi, il faudra voir quels sont les joueurs qu'il faut acheter, mais ça, on le verra qu'en fin de défi, je ne peux pas vous dire lesquels, là, à l'heure actuelle. On fera ça certainement le samedi, à la fin de la Toti, on regardera quels joueurs acheter pour pouvoir investir. 3 minutes, je reviens. Donc, il nous reste 2 minutes. Il nous reste 2 minutes. J'ai une question. Est-ce que des bébés de quoi ça peut te foutre? En quoi ça te dérange si tu prends qui me le dit pas toi, Adam. Qu'est-ce que tu en sais qu'il a 10 ans? Et après, il se débrouille. Hein, c'est sa vie. Il ne se vend jamais. Essaye les icônes, ça va vite. Ouais, on peut voir ça aussi, mais c'est pas sûr. Hein. Adam et Cam, s'il vous plaît, stop.
Mais il y en a, hey, Adam, il y en a qui mettent des dizaines, quand je dis des dizaines de milliers d'euros dans le jeu, il y en a qui le font. Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? C'est pas ton problème. Adam, c'est pas ton problème, ça sert à rien. J'ai 540 points, Toti. Bah, tu peux ouvrir les... Attends, hop, que je fasse pas n'importe quoi, il reste 1 minute 20. Tu peux les dépenser et ouvrir des packs, hein. 133 de gen. Théoriquement, 134, mais j'ai des AG et des AD en BU, ce qui me fait perdre un de général. Non, pas obligé, mec. Moi, j'ai réussi à vendre des creuves 86 en même pas une minute. Mais non, mais c'est ça. Bah, alors, pour le moment, hein, ça fonctionne pas de ouf, hein, puisque j'ai vendu aucun des joueurs. On a encore 7 joueurs à vendre. Et on a encore 1, 2, 3. Non. 1, 2, 3. 1. 1, 2. 5. 4, 4. Donc ça fait 7 places, ça fait 2 joueurs par truc. On va pas faire plus. Donc là, il reste 30 secondes. Oui, non, non, c'est pas impossible de, pour les nouveaux joueurs de se faire des crédits, bien au contraire. Hein. Tu vends tout et puis c'est tout, tu t'en fous. C'est le FIFA Mobile 23. Il n'y a pas eu de reset, c'est tout. Oui, oui, il y aura d'autres chapitres sur FIFA 23, c'est clair. Tu as mis combien d'argent dans le jeu? Je sais pas, je sais pas. Ça fait trop longtemps que j'y joue pour m'être fait une... voilà, j'achète que les passes. Attention, hop, zéro, on débloque, on vend, et puis on va essayer d'un autre joueur, tiens, chic, hop, débloquer, vendre, on verra bien ce que ça donne. Donc là, normalement, nous devons aller maintenant sur les joueurs World Cup. World Cup, il est où? C'est ici. Non, c'est sur mes joueurs qu'il faut que j'aille. World Cup appliqué. Donc, nous avons du Scholler. Scholler. Scholler, 8 minutes. Gère. Minutes, alors j'ai dans 4 minutes Paredes dans 4 minutes. Un bonbon, on va regarder. Je regarde en même temps. Un bonbon, 9 minutes. Donc, dans 4 minutes, on va essayer. On va mettre bah là, c'est surtout cela qu'il faudra que j'arrive à revendre. Donc, on va se mettre sur. Hop. Dans 3 minutes, on va essayer de leur vendre. On verra bien ce que ça donne. J'ai Kostic 103. Je l'améliore. Bah, il faut pas améliorer ce genre de joueur. Ça sert à rien. De quoi ça peut te foutre? Le défi Toti arrive pour le dernier exercice. Les tirs, moi, ça bug. Ça va pas sur le rond rouge. Ah, il faut aller vite, hein. Le geste, il faut aller vraiment très vite pour faire le truc, hein. Le bon vieux, il a mis un SMIC dessus. Bah, non, mais on m'aime pas. Alors déjà, t'es qui pour dire le bon vieux? Qu'est-ce que c'est que vieux pour toi? Peut-être que dans ta tête, t'es déjà plus vieux que moi. Non, et certainement pas. J'ai des enfants, j'ai une vie de famille, j'ai des... tu crois que je vais mettre... Non, mais t'es barjot ou quoi? T'as un grain. Les joueurs se vendent jamais. Bah si, tout à l'heure, j'en ai vendu. Donc si, ça se vend. Pelé, combien coûte Pelé? Pelé, c'est... il est gratuit. Et quand même, quand tu arrives et que tu dis ça, on peut le prendre méchamment. Tu as mis
Mes 103 de gêne améliorer mes joueurs, je vais. Du coup, j'ai perdu masse. Bah oui, maître, il faut surtout pas. Ok, pas de soucis, Sully. J'ai oublié. Mais quand j'ai commencé Fumaomi, je faisais du faf et un jour je suis tombé contre un 130 de gêne. Ah bah oui, ça. C'est mal, hein. Pipan, qu'est-ce que tu peux aller voir mon équipe tu me. Plus tard. Parce que là, il faut que je mette tout en vente. Il me reste encore là. 2 minutes 20, donc ça va être mité. Oui, 17h PSG. Oui, oui, bah, on se prépare. Imagine, il fait le reset à 52 d'Etati, le vend direct, le joueur, non? Bah, normalement, oui, mais tout à l'heure, j'ai vendu un Toti comme ça. Pas celui que j'aurais voulu vendre, mais c'est ce qui s'est passé. Oui, il y a un serveur Discord, c'est pas mon serveur, c'est le Discord franco, le FIFA mobile francophone. Le lien est dans la description. Tu fais. Tu fais ça, regarde. Hop. Slash Discord. Et tu l'as. Tu peux regarder SAR reset. Bah là, SAR, non, c'est pas tout de suite SAR. Ah, SAR, si. C'est tout de suite. Ah, bien vu. Bon, on va en mettre qu'un seul. Alors, les 99, c'était là? Ouais, tu vois, les 99, c'était là. Donc là, je pense qu'il doit y avoir les 100. Vous voyez, il y a un ordre. Il y a un ordre. Il y a un ordre. Et j'étais sur Paredes. Paredes de mes joueurs. Voilà. Donc on était sur les 102. On va les vendre. Ma liste va être complète, je pense. Voilà, vendre. Non, j'ai dit les 102. Voilà, on verra bien. Mes commandes, j'en suis à combien 23, il en reste 2. Donc là, la prochaine, ça va être la TOTW. La TOTW, donc, en TOTW, je crois que j'en ai que un seul... à essayer de vendre. Équipe de la semaine. Ah. Oh non, j'en ai plusieurs. Faites voir là, il y en a combien? Ah, il y a. Ah. Donc on va se concentrer sur Danilo. Danilo. Ah. Il est dans 7 minutes. Quoi acheter? Et dans mes joueurs. J'ai mis en vente ou passe comment? Le vendre. Ah oui, mais je sais pourquoi je peux pas le vendre, je suis con. Hop. Non. Hop. Ah oui, il est là. On va remettre un joueur TOTW dedans. C'est l'équipe que je me sers pour faire juste le match de la TOTW. On ira ouvrir les packs TOTW. Alors, un défenseur, un Garcia, tu cours vite, toi? Ouais, tiens. Hop.
Voilà, bien, ça suffira. Donc Danilo, bah en attendant, on va aller ouvrir. Il me semble que j'ai pas ouvert les paquets OTW. On va les ouvrir. Hein. On sait jamais. Qui sait? Peut-être qu'on aura Navas. Ah, animation! Ouais. Bon, on commence hein, déjà, hein, merci, hein, comme d'habitude. J'ai un glitch, j'ai un joueur qui se vend 800 millions. Oui, oui, bah, on sait. Oh, 89. Oh, ça va peut-être pouvoir se revendre, lui. Et bah, ouais, bon, on s'en fout. Qui on a, là? Ah, du Coman et tout ça, du Navas hein, 103. Hey, Navas 103, Hakimi. Ouais, et dernier pack. Ouais, bon, j'ai eu tout sauf ce qu'on cherchait. Hein. Danilo, c'est dans 5 minutes. C'est sûrement bête comme question, mais comment tu as des jetons Prime en regardant les vidéos? Mais Hakimi 106, pourquoi tu veux l'acheter? Il y a la Utoti qui va arriver. C'est pas le moment d'acheter les joueurs. C'est pas le moment de les acheter. Les joueurs, la Utoti va sortir dans moins de 20 jours, ça sert à rien. Bah, tu vois, là on met sur le marché, on essaye de revendre des joueurs. Tout simplement. Si les joueurs sont à leur prix minimum, le reset ne sert à rien. Le reset des 99+, tu deviens premier des 99+. Oui, bah c'est ça. Hein. Mais c'est sinon il y a deux animations pour un 80. Bah oui, hein. Je peux acheter Sidor maintenant ou il va diminuer? Non, Sidor, je pense pas qu'il va diminuer. Il est plus packable. Comment gagner des gemmes facilement? Regardez faire les quêtes facilement. Aucun décideur, mais il augmente. Je veux acheter Jairzinho, mais j'ai pas d'argent. Bah, tu l'achètes pas. Les Toti, c'est les ultimes Toti. Bah, tu vois l'équipe Toti qui est sortie avec Mbappé, Messi, Benzema, patati patata. Elle va être en version supérieure. C'est les ultimes, voilà. Comme là, c'est les UTOTW. Voilà, c'est ça. C'est la même chose. Donc, on va se remettre sur Danielou. Il reste quelques minutes. Parce que sinon... Ah bah non, j'y étais. Hop. Tu veux vraiment que... Je viens de recommencer Femme Mobile, t'as des conseils. Joue beaucoup. Je veux bien montrer, s'il te plaît. Est-ce que tu peux faire un match amical? Non, là, non, pas aujourd'hui. Il y a un joueur... Oui, mais je sais, il est là, le... Regarde. Le joueur qui se vend 800 millions, il est là. Hop, il est là, tu vois. Je l'ai mis en vente. Il va pas se vendre. Il y en a trop qui veulent... Personne ne va l'acheter. Et tout est là, tout est le problème. Allez, 2 minutes 30 pour mettre Danilo en vente. Et puis après, on verra bien. Hein. Après, on va arriver. Il faudra attendre jusqu'à 53 pour la Toti. Il est où, Danilo? Il est là. C'est le plus gros joueur TOTW que j'ai gagné. Oui, mais... Il se vend 800 millions, il est gratuit, mais il se vend pas. Regarde, je l'ai mis en vente, il se vend pas. T'as rien. Oui, oui, il faut attendre 20 jours avant d'acheter les joueurs. Ça sert à rien d'acheter les joueurs. Tu peux montrer le dispositif 4-4-1-1. Pourquoi faire? Ça sert à rien. Si tu veux le voir, tu le vois toi-même. Yo, je viens d'un... Le reset, c'est le reset de Müller 103. Bah, trop tard. Trop de retard sur le chat.
Le joueur le plus cher à l'heure actuelle, bah, c'est celui que je viens de te montrer à 800 millions. C'est pas le meilleur. Le meilleur à l'heure actuelle, c'est Maldini 112. Bah, ils ont enlevé Maradona, c'est la famille qui a demandé à ce qu'on enlève Maradona. Vous êtes 64 sur TikTok et 100 sur YouTube. YouTube qui bat TikTok. Je suis pas au bon niveau. Je suis pas au bon niveau. Alors n'oubliez pas que le timer que j'ai n'est peut-être pas spécialement le même. Je vous conseille d'acheter le pack à 12. C'est à 12 euros. Non. La seule chose que je vous conseille pas, si vous avez envie de vous faire plaisir, achetez le pass. Mais le reste, ça vaut pas le coup. Surtout pas. N'achetez pas le reste. Il faut vraiment rester sur le Pastar, c'est ce qui est le plus rentable, même si c'est pas le meilleur des Pastars qu'on a eu, c'est peut-être le pire. Même si on a un Cantona à 100 BU, on est d'accord, mais on a eu mieux. Mais les autres, non, ça vaut pas le coup d'acheter les packs, tu reçois suffisamment de joueurs pour faire des SBC, tout ça, pour pas mettre d'argent dedans. Et éviter de mettre un SMIC dedans, comme quelqu'un a dit tout à l'heure. Allez, il reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0, 1, hop. Voilà, mes commandes. Regardez, hop. Je suis le premier, hein. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Vous voyez, lui, Danielo, je suis vraiment le premier. Mes joueurs, filtre, on va regarder si au niveau de la TOTW, parce que personne en fait n'y pense, mais 118, j'ai un gardien, tiens, on va plutôt mettre le gardien pour la TOTW. Bah, je l'ai déjà, glisser, hop, je vais, hop, mettre un 89. Ah ouais, non, mais il a pris ma passe même pas. Oh, va rester. C'est pas grave. C'est dit RMP, non, ça sert à rien d'acheter le pass à 12 euros. Ça sert à rien de spam comme ça. De 3K à 10K, je prends. Donc là... Les prochains resets seront dans 20 minutes. Est-ce que je peux vendre des petits joueurs 80? Bah, c'est ce qu'on essaye de voir. C'est ce qu'on essaye de faire, de voir. On essaye pour l'instant. Je n'ai rien vendu. On ne désespère pas. On va bien voir. Hein. De toute façon, il faut bien qu'on trouve une solution pour vendre les joueurs et tout ça. Vidic 100. Bon, chevron, j'ai pas besoin. Il y a Larson que j'aimerais bien revendre, mais il est pourquoi Pelé, tu vas prendre MOC ou buteur? Je vais prendre buteur, Pelé. Attendez, je reviens. Non, ne rentrez pas. Hein.
Attends, un peu. La porte. Excusez-moi, je suis de retour. Je suis là. Ne vous inquiétez pas. Ça se trouve. Alors, je remonte le chat. Tu prends pelé dans 7 jours. Si tu as de la chance dans tes packs, bah tu le vends. Et jour, une fois que tu l'auras, beaucoup. Ça sert à rien. Pelé n'est pas vendable. Ah, on a vendu un joueur. Ah bah, ça doit être Vidic. Ouais, voilà. Hop, on récupère Vidic. C'était évident. J'espérais mieux, mais bon, c'est toujours ça de prix. Hein. Mais je ne parle pas du pas, je te parle du pack C. On sait même pas qui va y avoir dans le du pack C où on peut packer Mbappé, mais où on peut. Voilà, non mais toujours même problème, les vous regardez les trucs. Alors ça doit être là l'offre de bienvenue. Voilà. Un joueur 105 plus, c'est sûr. Un joueur 109, t'as 5%. Un Totti, un 108, 15%. Un 106, voilà. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, tu vois, je l'ai pas pris. Mais je vous encourage pas à mettre de l'argent dedans, moi. Pas du tout. Tu vas prendre Pelé MOC ou BU ? BU, BU, BU. Je vais le mettre avec Cantona. Monte ton équipe, tiens, elle est là. Avec 1000 crédits, tu me le conseilles. Avec 1000 points FIFA. C'est le prix de 1000 points FIFA. Donc l'un dans l'autre, si tu as besoin de prendre 1000 points FIFA, oui, prends celui-là plutôt que de prendre les 1000 points FIFA. Mais bon. Tu penses que je reste dans le top 200 jusqu'à la fin de la saison? Et dans 3 jours? 200e sur 250, oh ça va être juste Pace. Charbonne. Eh c'est ça la face. C'est dur hein, 3 jours là, il va falloir charbonner entre aujourd'hui et demain. Après lundi, tu auras juste à gérer. Ça se trouve que tu n'auras pas gardé ton argent pour la Totti. Je le dis à Tifranc pour voir son avis. Tifranc, tu me conseilles d'aller. Je viens de dire, je le conseille pas d'acheter maintenant. Si tu veux prendre des points FIFA, autant prendre ce pack plutôt que des points FIFA. Tout simplement. Tifranc, tu peux aller voir mon équipe. San. C'est quoi déjà San? C'est Manchester, hein? Zala, hein, c'est mon c'est cette équipe toi. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est quoi ça? Van Persie en MOC. Bon, je sais que tu vas mettre Pelé, mais et tu veux voir quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle a ton équipe? Les jetons FIFA, ça se gagne pas. Le problème, c'est que ça s'achète avec des crédits. J'ai vendu tous mes outils, j'ai actuellement 500 millions. Ah ben bravo. Il y en a qui ont la chance, moi j'y arrive pas, il nous reste encore 14 minutes. Et on vendra. T'as une vraie team. Merci Nas. Je suis deuxième sur Jordi Alba 99.
Bah, t'as vu, moi j'étais premier sur certains joueurs et je compte pas. Hein, donc, ah bon, on verra bien, on va les laisser. Hein. Si dans 2 heures il n'y a rien, je vire tout et je m'occuperai que des Totti. Et tout ça, ça partira à la poubelle un jour ou l'autre. Parce que le pire, c'est qu'on peut même pas faire de SBC dedans. C'est ça qui est énervant. Ils pourraient nous faire, vous voyez, genre pour avoir des Totti 98. Mais c'est tout con, hein. Avoir des Totti 98. Alors je sais que ça pourrait pourrir leur truc là-dedans. Parce que ça, c'est une connerie qu'ils ont fait. Hein. Voilà, ouvrir 50 packs. Mais ils pourraient nous faire avoir des Totti 98 plus en nous faisant des échanges. Simplement, ça serait beaucoup plus simplement. Comment t'as fait pour avoir autant de primes? Bah en fait, dès le début de la saison, je me concentre sur une chose, c'est les primes techniques. Les primes techniques, c'est ce qu'il y a de plus dur à avoir. Pour les free-to-play, c'est vraiment le plus dur. Donc n'oubliez pas, pour ceux qui en ont besoin, vous allez dans les échanges en ce moment, dans la fondation ici. Vous avez des échanges pour les primes techniques ici avec des joueurs 45-90, ça bug. Non, ça bug pas. Me dis pas que ça bug. Attends, je vais regarder si ça bug. J'ai peur. On va mettre là. Hop. Donc, je me concentre sur les Totti en priorité. Tout simplement pour... pas sur les Totti, sur les primes techniques... En priorité, parce que je sais que c'est ce qu'il y a de plus dur à récupérer. Non, ça bug pas, je l'ai. Je suis à 8 ou 9 packs 50, c'est bien, j'en suis à 10. Avec les packs, voilà, donc t'es très bien. Et t'es parfaitement. Comment on a des plus sur nos joueurs? Comment on a des plus sur nos joueurs? Ah, tu veux dire les... Bah, c'est simple, tu fais ça, tu vas sur un de tes joueurs, tu fais entraîner, et là, tu fais... plus, tu vois, pop, 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 et tu peux les monter. Voilà, mais il faut que tu aies beaucoup de joueurs dedans. Voilà, ils prennent de l'expérience sur les autres joueurs. Moi, j'ai pas, je vais pas faire ça parce qu'il y a des joueurs qui vont, Ronaldinho va sauter, Jairzinho va sauter. Hop. Donc là, mon équipe va être comme ça avec Cantona et Pelé devant. Non, je prends personne en ami sur FIFA parce que j'ai trop de demandes. Tu joues clavier souris? Non, je joue sur une tablette. Et puis sinon, comment dirais-je sur BlueStack sur le PC. T'as pas FIFA sur console? Non, parce que c'est mes enfants qui ont la console. Moi, je suis un adulte, je joue pas sur console. Les adultes, ça joue pas aux jeux vidéo. Vous savez bien. Tu peux faire une team Totti, pourquoi faire? Pourquoi faire? Dépenser des crédits, t'as vu comment c'est compliqué d'en avoir? Et tu veux que je dépense des crédits? Non, j'ai jamais de la vie. Pastar, j'en suis là, il faut être palier, on a dit 48. Vous devriez être ici, là, si vous êtes... pour être bien. Ça sert à quoi les primes techniques? J'en ai beaucoup. Bah, ça augmente le niveau de ton joueur. À chaque fois que tu vas augmenter un joueur en prime technique... Tu vois, c'est les plus 20 et tout ça qu'il y a au-dessus. Ça t'augmente le général de ton équipe. Alors, il faut augmenter 11 primes, ou 11 fois la même prime, ou 11 fois une prime, pour passer d'un général. On va pouvoir faire une full Utoti? J'ai bien peur que non. J'ai une question, est-ce que je garde mes joueurs Totti gagnés pour le SBC ou je les vends pour me faire un maximum de crédit? J'ai 51 millions. Franchement, si tu arrives à les vendre, essaie de vendre vos joueurs. Voilà, moi je vous le dis franchement, tant qu'ils sont pas au moins cher, cherchez à les vendre. Vous récupérez des crédits. Là, par exemple, si on regarde pour les 98, puisque les 98, ils sont là. Un 98, c'est 2 millions de crédits, d'accord? Donc, vous pouvez les vendre jusqu'à 2 300 000 crédits. À 2 200 000 crédits, ce n'est plus rentable, puisqu'avec la taxe, il faudra les racheter pour ouvrir les packs. Mais les 98, vous pouvez
Là, par exemple, si vous paquez du close, vous revendez 2,8 millions, vous faites du bénéfice encore. Mais une fois qu'ils seront à 2 millions, ça vaudra plus le coup. Comment utiliser les primes techniques? Bah, tu fais ça, tu vas dans ton club, tu as la prime technique, ici. Et là, tu fais passer niveau supérieur. Voilà. C'est quoi l'accident qu'il y a eu? Et tu t'excites pour ça? Reste calme. Il y a une moto. Ah bah... Oh, il y a une moto de police. Abda, je l'ai récupéré, je le mettrai sur Discord après le live. Elle est trop bien ton équipe, c'est gentil. Moi, bon, il reste 8 minutes. Hâte de voir Pelé 108 à la place de Van Persie. Tu m'étonnes. Je comprends. J'hésite à prendre le pass tard ou je devrais attendre le prochain pass. Bah, franchement, je sais pas. Je pense que le prochain, il y aura un autre joueur, ça sera le même. Hein. Sauf que là, ça sera pas Cantona. Si t'as pas besoin de BU, faut attendre. Maintenant, si t'as besoin d'un BU, moi, franchement, voilà, Cantona 110, parfait. Ça rentre parfaitement dans l'équipe, donc je cours dessus. Ah, c'est pas sûr qu'on aille des trucs utoti. Hein. Tu stream demain? Oui, demain, on va faire certainement du FAF. Non, elle vaut pas 10 000 euros, t'es malade, toi. Ah non. Adi, je pense que tu dois pas connaître le principe de la chaîne. Justement, c'est d'essayer d'avoir la meilleure équipe le moins cher possible. Y a des free-to-play, ils sont à 130, voire 132. Donc, non. Gabi est bien ou pas? Non. On fout de Gabi, ça sert à rien. Pourquoi les UTT, on pourra choisir ou ça sera comme les Toto, ça sera du hasard? Je pense que ça sera... L'année dernière, on pouvait choisir. Là, je sais pas. Je ne sais pas du tout. CR7 est meilleur que Messi. Je t'aurais dit non avant, maintenant je sais pas. Je t'avoue que Messi, là, le TOTT, il a baissé en termes de gameplay. Je le trouve beaucoup moins bon que ça. Sur console, c'est plus dur. Sur console, tu peux faire de l'achat-revente. Après, ça prend plus de temps. Tu sais comment il va, TG? Bah, il est passé tout à l'heure sur le chat, sur le live YouTube. Il est passé avec Momo Gaming. C'est possible que ce sera caca dans le deuxième pass. Tout est possible avec hier. Tout est possible. C'est quoi la meilleure compo? Il n'y a pas réellement de meilleure compo, j'ai envie de dire, pour ceux qui ont la ref. Non, il n'y a pas vraiment de meilleure compo. Moi, je joue avec cette compo en multi-attaque. En fab, je descends les AG, les AD. Plus bas et je joue en comme ça en voilà ouais. Parce que je suis nul donc je fais comme Marseille, je bétonne. Non, je déconne, c'était une blague, d'accord. Marseille mérite sa victoire, il n'y a pas de souci. c'était la perche, c'était trop facile. J'ai acheté un pack, j'ai eu deux fois ici. Ah, dommage. 4-5-1 ou 3-4-1-2? 3-4-1-2. Le 4-5-1, je suis pas fan des 4 défenseurs. 7 chez fort ou pas, j'hésite à l'acheter. 7 chez fait le taf. Hein. Oui, ça va, le gardien de but de Momo, je sais, voilà, t'as vu ma carte. Il m'a vu en gardien, il m'a sauté dessus. J'ai une équipe à 106, pourquoi j'ai commencé il y a pas longtemps, tu me conseilles quoi, s'il te plaît? Alors Valt, je te conseille pas grand chose, à part de faire le défi à fond. Et tu vas voir, ton équipe va monter toute seule et récupère toutes les primes que tu peux. Tout simplement. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur TikTok. Faites défi World Cup et des jeux techniques et des quêtes. Il n'y a pas de défi World Cup, mais les défis Coupe du Monde. Défi Toti. Salut, j'arrive pas à vendre mes joueurs. Comment on fait pour les vendre? Bah, tu vois, là, ça fait 2 heures qu'on est dessus. On a vendu un joueur. Donc voilà, c'est pour vous montrer que vous n'êtes pas les seuls, que c'est galère. Et tu vois, on a essayé tout ça, au reset et tout, il n'y a rien qui part. On se retrouve avec des joueurs, on sait. Danilo, j'étais le premier, hein, vous avez vu, Danilo, je ne pouvais pas être plus premier que celui-là, puisqu'on a regardé derrière, il n'y en avait pas.
T'as vu l'événement double gemme? Ouais. L'événement, il faut que tu ailles télécharger des jeux que tu joues pendant 50 heures pour avoir 3 gemmes. Ça vaut pas le coup. Quand je pourrais les remplacer, je vais pas les vendre avant parce que je vais avoir le transfert des jeux, des ranks. Donc je vais pas vendre Messi et Messi et Mbappé, je vais pas les vendre. De toute façon, ça va être Ronaldinho et Jairzinho. Et je vais attendre d'avoir mes deux BU pour pouvoir les vendre. Pour que je puisse faire le transfert des ranks avant. Je peux jouer contre toi? Non, pas aujourd'hui. Là, dans 3 minutes, on fait le reset. Et après, ça va être la fin du live. On est d'accord, le nouveau système est vraiment nul. J'ai pas encore la possibilité. Est-ce que je suis en train de regarder un truc? Parce que là, en fait, sur TikTok, vous avez le chat YouTube et le chat TikTok, mais sur YouTube, vous n'avez pas le chat TikTok. T'as fait le mode défi Toti Weekend? Non, je ne l'ai pas fait encore. Je l'ai fait hier, mais je ne l'ai pas fait encore là. Je vais le faire là pendant en regardant le match du PSG. Je viens de paquer Ronaldinho 198. Je le vends, merci. Hein, ouais. Je sais pas. Il éclate le défi Toti pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. J'espère qu'il sera bien mieux bientôt. Voilà, qu'est-ce que je te dis? Tu penses que je peux vendre ici un combien? Le moins cher possible, hein. De toute façon, tu pourras pas faire autrement. Tu pourras pas faire autrement que de le vendre le moins cher possible. Donc, on va se remettre sur nos joueurs, là, puisque bientôt, ça va être le reset des joueurs. Mes commandes. Oh, j'en ai 25 des commandes, voilà. Rumadia, ça va être bientôt. On va essayer de se mettre en premier. Je vais acheter ton Daniel. Mais non, ça me... Homo live ce soir ou pas, Tifranc? Je sais pas, je vis pas avec. Hein. Et puis, on ferait pas bon ménage, marseillais, parisien. Non, j'en ai aucune idée, je sais pas du tout. Je fais un quiz, j'ai perdu parce que c'est en anglais, mais j'ai gagné 40 gemmes. Ouais, bah c'est bien 40 gemmes, tu vas aller vachement loin avec, je pense. Comment tu fais pour avoir autant de crédits? Bah tu vas regarder, là dans 3 minutes, tu vas comprendre. C'est quand la Utoti dans une vingtaine de jours, je crois. Il pense que c'est pour toi le meilleur événement. C'est quoi pour toi le meilleur événement de tout FIFA Mobile? C'était la Toti de l'année dernière. Ça a été un événement de fou. Je suis déjà tombé contre toi en FAF, classe, et je t'ai battu. Alors Lucas, oui, c'est fort possible, mais t'as joué contre le bot. Je te le dis tout de suite, en face à face, en division rival, je laisse le bot jouer. Je m'emmerde pas. Hein, parce que c'est trop long, j'ai autre chose à faire. Il y a plus de 20 matchs à faire. Voilà, prono pour PSG Monaco. Si on arrive à faire un match nul, ce sera beau. Ça sera très beau. Alors attention, on s'y met. Merde, non, c'est pas ça. Alors, hop. Non. Revendre. Voilà, on se met, ça va. Son prix va chuter. 532. Voilà. Je sais pas qui j'ai vendu, on verra plus tard. Oh bah, regardez, Trippier. Pourquoi? Comment? Il vient juste de se vendre, Trippier. Hein. 282. Vous avez vu, Trippier? Son reset allait se faire et j'ai réussi à le vendre. C'est bon, je l'ai acheté. Bah non, tu l'as pas acheté. Et pourtant, j'étais le premier, tu vois. C'est le marché, il faut se méfier. Hein. Moi, je suis pas... Je suis pas ouf. Alors, on sait que ça fonctionne sur les Toti. Vous avez vu, hein, on a réussi à en vendre deux. Mais voilà, OS7, il fait bien le taf. Hein. Mes joueurs dans mon équipe sans rank parce que j'ai plus de points de transfert. Je les ai mis sur les joueurs 61, je les ai mis dans les SBC. Bah oui. Mais c'est pour ça, Cam, moi je te dis, pour les ranks transfert, il faut monter à 5, 10, 15 maximum quand on n'a pas beaucoup.
Bonjour, tu me conseilles Pelé BU ou MOC? Moi j'ai Neymar en 106, MOC, Van Persie. Alors je te le conseille Pelé en BU, parce que Van Persie est claqué. Voilà. Donc voilà, nous arrivons à la fin du live. Il est 16h, donc c'était un petit live tranquille, hein, comme d'habitude. On va se préparer pour regarder le match. Mais oui, non mais tu vois, donc c'est... Et pourtant... Sam, t'as bien vu, j'étais le premier. Il n'y en avait pas d'autres en vente. On a regardé deux fois, j'étais le premier. Donc, je vous dis que c'est des bots qui doivent l'acheter parce que là, le dernier Totti que j'ai vendu, il s'est vendu juste à l'heure du refresh. Je ne vois pas un imbécile l'acheter alors qu'il y a 3 minutes avant de le refresh. Donc, c'est quand même très, très bizarre. Bon, c'est comme ça, on fait avec. Je regarde, est-ce que j'ai des packs à ouvrir peut-être. Je ne pense pas, je ne sais pas. Si, est-ce que j'ai quelque chose à faire? Non, close de joueurs, on les garde pour ce soir. Cone, est-ce qu'on a... Ah oui, bah tiens, allez. Hey, ça serait fou, hein. Il est gratis le match PSG Tifranc. Ouais, si on veut. Ça serait fou, Balak. Ça serait dingue, hein. J'y crois même pas. J'y crois même pas. Allez, un 101 grand maximum. Et voilà, trappe. Un 101 grand maximum. Merci. Très gentil de votre part. Voilà, on finit là-dessus. Je vous remercie beaucoup, les amis. Je vous fais encore des bisous. 1000 bisous, voilà, pour les 1000 abonnés sur YouTube. TikTok, n'hésitez pas à rejoindre la team YouTube. Il y a des pastards à gagner de temps en temps. Il y en aura un dimanche prochain. Demain, on fera du face-à-face. Donc, tirage au sort, comme d'habitude, avec le jeu de la carte. Et puis, voilà. Donc, je vous fais encore des bisous. Ciao, c'était Tifranc. Et gare à vos crédits.